n'es pas heureuse? J'ai aussi beaucoup réfléchi. J'ai commis une erreur. Mais je ne veux plus que ça se reproduise. Quelle erreur? Steve, tu es un homme merveilleux. Vraiment extraordinaire. Le genre d'homme que toutes les femmes rêvent d'avoir à leur côté. Mais toi, non. Je suis désolée. Je t'ai menti. Je ne suis pas amoureuse de toi. Tout ce que je mets chez toi, c'était ton argent. Steve, je suis amoureuse de Guizou. Ah, le fameux meilleur ami. Je savais que je devais me méfier de ce garçon. Non, ne le prends pas ainsi. J'attendais te voir pour te remettre ceci. Je n'ai pas le droit de la garder. Elle t'appartient. Je suis très déçu. J'ai même le cœur brisé. Mais je te souhaite bonne chance. Sois heureuse avec celui que ton cœur a choisi. Au revoir, Steve. Au revoir, Bako. There's nothing, nothing anybody can do, yeah. J'ai t'aime comme ça. And there's nothing, nothing anybody can do, yeah. Oh, each time I see your face, each time I see you smile, tu me donnes la chair de poule. Each time I see you smile, each time I see your face, tu me donnes la chair de poule. Ay, je te amo. Yeah, yeah, yeah. There's no one like you. Ay, je te amo. Yeah, yeah. There's no one like you. La nouvelle épouse, la nouvelle épouse, la nouvelle épouse, la nouvelle épouse. Il n'est jamais assez tard pour se raviser de ses erreurs et retrouver la voie de la raison. À cet égard, la Providence nous donne toujours une issue à saisir.
ton jus de curcuma. Pourquoi tu as mis long? J'ai fait vite comme tu m'as demandé, Bika. Hein? Puis quoi? C'est madame. Je te l'ai déjà dit. N'oublie pas ta place dans cette maison. Tu n'es qu'une... une ménagère. Ok? D'accord. C'est... Madame Bika. Très bien. Votre jus. C'est trop sucré. Oui, madame, vous êtes fatiguée. Vous avez besoin d'un peu plus de force. C'est pour cela que j'ai mis autant de sucre. Il faut l'amener à l'hôpital. Attends, respire. Il y a quoi? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Elle va accoucher. Et aidez-lui à faire des exercices. Non, c'est une femme. C'est bien, monsieur. Attends. D'ailleurs, où est ton petit patron? Mon petit... Ellie, bien sûr. Ah, Ellie. Ah, oui, ok. Il regarde la télé. Je me suis déjà occupée de lui comme je me suis occupée de tout dans cette maison, d'ailleurs. Finissez votre jus et reposez-vous. Reposez-vous. Tu contrôles tout dans cette maison. Même pour me reposer, dispose. Dispose. Ma
facile, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Voilà, respire. Voilà, respire un peu. Respire un peu. Voilà, pousse. Prends ton souffle. Prends ton souffle. Respire. Respire un peu. Respire un peu, oui. Prends ton souffle. Vas-y. Prends ton. Doucement, doucement. C'est pas facile, ma chérie. Pousse. Oui. Pousse. Oui. Encore un peu d'effort. Souffle. Quand tu souffles. C'est bon. On peut la voir. Elle n'a pas encore accouché. Comment ça, docteur? Ça fait près de 8 heures de temps qu'elle est en travail. Et on entend crier. Il y a des enfants qui font bien souffrir leur mère avant de venir au monde. Mais le cas de votre fille m'inquiète. Je ne vois même pas la tête du bébé. Je voudrais bien l'envoyer au bloc, mais ses paramètres ne sont pas bons. Mais que voulez-vous dire? On va attendre encore un peu. Le temps pour elle de récupérer des forces. S'il vous plaît, je peux la voir? Oui, allons-y. D'accord. Steve, c'est ça? Oui, c'est moi. Guizo? Ouais. Comment vous allez? Oui, très bien, merci. Et vous? Je vais bien, merci. Qu'est-ce que vous devenez tout ce temps? Comment va Bako? C'est à moi de vous poser la question. Vous êtes fiancé, non? Plus maintenant. Ah bon? Je croyais que vous êtes en couple maintenant. Non, pas du tout. C'est curieux, ça. Quand je suis revenu de la Côte d'Ivoire il y a 3 mois, je me suis rendu chez elle pour lui dire que je lui pardonnais son mensonge et que je voulais qu'on se remette ensemble. Mais elle m'a dit non. Et vous avez vraiment dit ça? Oui. Et c'est à cause de vous. Ah oui? Quoi? Elle m'aurait menti?
Je sais pas. Ok. Enfin bref. Peu importe la personne avec qui elle est maintenant, je lui souhaite bien des choses. Et si c'est vous, félicitations. Je vais devoir prendre congé de vous, mon cher Guizot. Ok. Au revoir, Steve. Au revoir. Pauvre con. Encore un peu d'effort. J'ai mal. Encore un peu d'effort. J'ai mal. Pourquoi elle ne sort pas? Encore un peu d'effort. Encore un peu d'effort. Encore un peu d'effort. Respire un peu. Respire. Respire. Pourquoi elle ne sort pas? Respire. Respire, 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 oui, oui, un peu d'effort, un peu d'effort. Je ne sais pas. Je ne vois même pas la tête du bébé. On fait comment? Tiens, maman. Bois un peu d'eau. Infirmière, que se passe-t-il? C'est vous qui vous occupez de ma fille? Je vois tout le monde courir de partout. Madame, votre fille a fait un arrêt cardiaque. Ah, on essaie de la réanimer. Moana. Moana. Hey. Faut que j'aille voir. Vas-y, dorme. Et oui, Adjana, bien qu'ayant offert le meilleur en termes de valeurs morales et d'éducation à nos enfants, face à la rude société, ils nous éprouvent encore et encore. Allô? Allô, chérie? Tu vas bien? Je vais bien, maman. Et toi? Comment va papa? Nous allons bien, merci. La présence d'Elie nous manque déjà. Rassurez-vous, vous le manquez aussi. N'arrête pas de penser à ses vacances. J'en suis ravie.
Alors, je viens aux nouvelles. C'est moi qui viens aux nouvelles. Tu n'as rien à nous dire? De quoi tu parles? Ebode, cela va faire 9 mois aujourd'hui. Mona doit déjà avoir accouché, il me semble. Ah oui, c'est vrai. Tu n'as pas de ces nouvelles? Ebode, ce n'est pas bien. Tu n'es pas allé la voir, ne serait-ce qu'une fois. Tu penses que j'aurais dû? Elle a tué Kara. Je le sais, mon fils. Et tu sais bien que j'étais la première à t'encourager de la quitter. Mais j'ai réfléchi. Cet enfant pourrait vraiment être le tien. Je ne veux pas rester sans savoir. Essaye de la voir et fais un test de paternité. Si jamais c'est ton enfant, nous ferons ce qu'il faut pour le lui prendre. Et elle n'aura jamais le droit de le voir. D'accord, maman, je le ferai. Merci, mon chéri. Je te laisse. Bonne journée. Bonne journée, maman. Je ne sais pas ce qui se passe. Si elle n'accouche pas, on pourrait les perdre tous les deux. Oh. Mais docteur, opérez-la. Je vous l'ai dit, elle pourrait y rester. Et rien ne garantit que l'enfant survive. Et que faites-vous alors? Écoutez, la situation de votre fille est au-delà de la médecine moderne. Que voulez-vous dire? Bonjour, Monsieur Guizot. Bonjour, madame. Bonjour, madame, vous allez bien? Bonjour, bien et vous? Merci, je suis en forme. Bakou est déjà là? Madame Bakou ne travaille plus ici depuis 2 semaines déjà. Comment ça? Elle a été renvoyée? Non. C'est elle qui a démissionné. Elle a décidé de partir. Ok, je ne le savais pas. Bien. Désolé, bonne journée à vous. Merci. Nous sommes des Africains et vous savez de quoi je parle. La grossesse de votre fille est compliquée. Vous devriez aller au village pour en savoir plus. Mais c'est impossible. Qui aurait pu faire cela? Ne me posez pas la question. Vous seul savez qui sont vos ennemis. Amenez votre fille au village avant qu'il ne soit trop tard. Maman, qu'est-ce qui se passe? De quoi parle-t-elle? Si ce qu'elle pense est vrai. Quoi, maman? J'aurai bientôt la confirmation. Hé, hey, Mona! Oh, mon Dieu! Un enfant, notre descendance, un membre de notre lignée. Pour eux et surtout pour la dignité et l'image d'une famille, nous sommes prêts à tant de sacrifices. Like that.
And there's nothing, nothing anybody can do, yeah. J'ai t'aime comme ça. And there's nothing, nothing anybody can do, yeah. Oh, each time I see your face, each time I see.